Bonjour et bienvenue, ben voilà les deux nouvelles lampes, petites lampes de chez Olight, la S10R et la S20R. Alors c'est pas vraiment des super nouveautés, par contre il y a un petit nouveau système que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est la station d'accueil qui va me permettre de recharger la lampe sans avoir besoin d'ouvrir. Donc si vous la connaissez pas cette lampe, c'est vraiment un best-of de chez Olight, c'est une lampe qui est ultra compacte. Voilà, là on est sur une lampe, celle-ci qui a 400 lumens, celle-ci a 550 lumens, un éclairage qui est très diffus, très chaud, vous le verrez un petit peu sur les photos. Un petit bouton unique ici, avec pareil une petite nouveauté ici tout au milieu, je ne sais pas si on voit très bien, a priori ici, un petit témoin de charge quand la batterie est un petit peu trop faible. On est toujours avec ce petit clip bien sympathique, un clip inversé qui me permet voilà, de le glisser dans une poche ou de l'utiliser éventuellement sur une casquette pour l'utiliser un petit peu comme une lampe frontale. Autre chose qui est très spécifique à cette lampe, c'est ici à l'arrière, c'est le culot qui est aimanté. Donc ça va me permettre de la mettre par exemple sur le dos de la voiture si jamais je suis en panne, de la placer en stromboscope, de la placer voilà, sur le capot quand je bricole. Donc il y a plein de petites astuces pour pouvoir le fixer. Je vous explique tout de suite la station d'accueil avant de vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la lampe. La station d'accueil voilà, qui est livrée ici, elle est livrée avec un petit câble voilà, micro USB et USB. La première chose qu'il faut savoir ici, c'est que voilà, on dispose de une entrée et une sortie. Ça va me permettre de, une fois que j'ai la lampe en charge, d'éventuellement de continuer à charger un autre produit avec cet autre port USB. Donc ça c'est assez pratique. Là il y a un petit téton, là il y a un petit contacteur. Donc c'est hyper facile voilà, de trouver la position. Donc on a juste à la poser. Donc la station d'accueil, on va la laisser éventuellement à la maison à chaque fois qu'on rentre. Voilà, quand on y pense, on vient la placer ici et elle charge la lampe. Donc là, ça va se charger éventuellement sur un ordinateur, forcément. Sur par exemple, bah, voilà simplement ici mon petit truc de GSM à 5 volts que je vais pouvoir placer ici. Une autre chose dont je vous parlerai aussi, c'est une des frontales Olight qui dispose, donc la H15 et la H35 qui dispose d'un gros accu avec un système justement USB qui me permet de recharger ça. Donc ça peut être un ensemble assez sympa d'avoir une grosse frontale de chez Olight avec le porte-accu et ce système là en deuxième petite lampe. Donc celle-ci utilise une pile type CR123, bien sûr on peut en utiliser une jetable. Mais voilà, c'est un petit peu plus malin de prendre celle-ci rechargeable qui est d'ailleurs livrée avec. Et la grosse, simplement la grosse différence, c'est qu'elle va être sur un 18650, donc un accu de chez Olight un peu plus grand en 2600 mAh. Voilà, ça c'est la première chose. Au niveau aussi de la station d'accueil, ce qui est assez sympa, c'est qu'il le livre également avec un espèce de scotch transparent double face. Donc ça va me permettre pourquoi pas de l'installer sur un mur, sur une paroi verticale, et pouvoir à ce moment-là y placer mes lampes et les avoir ici prêtes à servir. Au niveau de l'utilisation, donc c'est ultra simple, ça n'a pas changé. Donc une petite pression sur le bouton ici qui est un petit peu plus plat que sur les modèles précédents. Hop. Donc la lampe s'allume, je laisse le doigt appuyé dessus pour faire défiler simplement les fonctions. Donc là, 2, 3, voilà, et je reviens en laissant le doigt appuyé dessus, je fais tourner ici. Si je laisse, si j'arrête et que j'éteins la lampe, voilà, elle va mémoriser le dernier mode utilisé. Pour arriver au mode stromboscope, il suffit d'appuyer deux fois,
clac clac, et là je me retrouve avec le mode stromboscope. Par contre, celui-ci ne garde pas en mémoire. La lampe est éteinte, je laisse le doigt appuyer longuement dessus 2 secondes, hop, je relâche, et là je suis sur ce qu'on appelle le mode clair de lune. Donc là 0,5 lumens, c'est très très faible, ça me permet voilà de soit ne pas déranger les personnes qui sont aux alentours, soit simplement de le laisser allumer puisque j'ai une grosse autonomie, pouvoir poser la lampe à ce moment là et puis de la retrouver facilement sur le camp. Si je veux verrouiller la lampe, donc la lampe est éteinte, je vais laisser le doigt appuyer longuement, vous allez voir que le mode clair de lune va s'allumer et ensuite s'éteindre. Hop, clair de lune, je laisse le doigt appuyer, hop, il s'éteint. Donc là la lampe maintenant est verrouillée, c'est à dire qu'elle peut plus s'allumer inopinément. Déjà c'est très difficile avec ce bouton de l'allumer par hasard, mais là ça peut être le cas. Pour le déverrouiller, simplement je laisse le doigt appuyer dessus, le mode clair de lune apparaît, voilà. Donc là je peux relâcher, là j'ai pas besoin de tenir très longtemps, et là voilà, il me suffit d'allumer, d'éteindre et de laisser de nouveau le doigt appuyer dessus pour repasser aux fonctions principales que j'avais trouvées avant. Donc voilà deux petites lampes qui sont très très pratiques. Moi c'est celle que j'utilise à peu près tout le temps, celle-ci. Donc on n'a pas de bouton tactique effectivement à l'arrière. On retrouve assez facilement quand même le bouton, puisque généralement il est placé juste en face du clip ceinture qui est livré avec. Le grand modèle également, c'est juste un petit peu plus encombrant. Donc une différence de puissance qui n'est pas énorme. Voilà, pour une utilisation quotidienne de lampe d'essai, ça c'est très très bien. Voilà, vous verrez qu'au niveau des tarifs, c'est pas, il n'y a pas une grosse différence. Donc une lampe très maligne, très pratique de chez Olight, avec surtout ce petit système, ce nouveau système, voilà, qui me permet de recharger la lampe. Voilà, bah, je vous remercie de m'avoir suivi, et puis je vais vous présenter pas mal de nouveautés de chez Olight, parce que là c'est un petit peu Noël avant l'heure. C'était Chris R. Jones.